Bonsoir YouTube, comment ça va? On se retrouve pour une tier list archi longue sur les dessins animés. Et oui, les dessins animés préférés de Smarties. Oh là là, il en a vu un. Hein. Oh là là! Oh là là! Il en a vu un hein, des dessins animés de Smarties, hein? Ouais, alors. Je sais pas en fait. Je saurais pas dire si j'en ai vu beaucoup ou pas, mais de toute façon, on va le voir. Il y a une catégorie inconnue donc. Ceux qu'on n'a pas vus, on les mettra là-dedans sans problème, hein. On ne va pas se mettre la pression. Mais du coup, on va commencer tout de suite, et je pense qu'on va essayer d'aller assez vite quand même, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, 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 quoi. Bah, regardez, il y a tout ça, en fait. Hein. Donc, voilà. Ouais, ouais, voilà. Donc, et je risque de devoir dézoomer au fur et à mesure, quoi. Alors, on commence par 64 rue du rue du zoo, je connais pas. Adventure Time, ça m'a... J'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais ça m'a pas transcendé. Albator, je vous avouerai que je m'en souviens pas si je l'ai vu, mais c'est un peu trop vieux pour moi. Albert le cinquième mousquetaire, ça c'est validé, hein, ça, c'était plutôt rigolo, dans mes souvenirs. Angela Anaconda, c'était nul à chier, et ça faisait peur, hein. Ça faisait très peur, hein, ces personnages... En papier journal découpé, là, c'était juste très moche. Ensuite, on a Arc-en-Ciel. Alors, je connais pas le dessin animé, mais je sais que quand j'étais en maternelle, il y avait un bouquin Arc-en-Ciel, et je le trouvais pas mal, c'est plutôt bien. Arthur, il me semble que c'est un peu de la merde. Astro Boy, il me semble que c'est pas ça, dans mes souvenirs. Ensuite, on a Atomic Betty. Je pense que c'est passable, ça. Avatar, j'ai jamais lu. Babar, c'est sympa, Babar. Barbapapa, pareil, c'est sympa. Batman, c'était archi solide. Archi solide. Ah non, Batman, c'était... En solide, hein. On n'est pas vu un pour le moment. Ah, t'inquiète, ça va arriver, je pense. Ah non, le Batman, ce Batman-là... Passé sur, je pense, France 3, c'était juste excellent. Les dessins, ils étaient vraiment magnifiques, quoi. Belle et Sébastien, je connais pas trop. Beyblade, c'était sympa, oui. Bibi Fock, jamais vu. Billy the Cat, j'avais une BD. Je crois que je l'ai vu un peu. Je crois que c'est un mauvais garçon qui se transforme en chat, je crois. Alors, je sais plus pourquoi. Mais c'était passable. On fera l'échange Kazu Prodigy, je t'enverrai un sachet de sauce pour pas de taille, cela dit, c'est facile à faire maison. Ah. Et ça fait des échanges de colis et tout, c'est beau. Bip Bip et Coyote. Alors ça, c'est parfait. Hein, ça... Alors il y en aura plusieurs dans Parfait, je pense. Mais Bip Bip et Coyote, ouais, ça c'est... Parfait. Hein. Parfait, parfait. Bob le bricoleur, c'est sympa, Bob le bricoleur. Bob l'éponge. Bob l'éponge, c'est sympa aussi. Bonne nuit les petits. Passable, hein. C'est... En fait, avec les YouTube poops sur YouTube, on commence à les apprécier, ces personnages, hein. Mais en vrai, c'était moyen. Booba, je connais pas. Enfin, le rappeur, hein, le dessin animé. Boulet Bill, il me semble que c'était pas trop mal, hein, dessin animé, à mes souvenirs. Calimero, je pense que c'était pas mal non plus. Candy, je l'ai pas. Quoi, Captain Future? Captain Planet non plus. Cartouche. Une idée. Casper, c'était pas mal, hein. Casper. Cédric, pareil. Pas mal. Alors, c'est quoi ce truc-là? Je vois Digimon, mais je me demande s'il y en aura... Ouais, il y en aura d'autres des Digimon. Du coup, je sais pas ce que c'est, ce Digimon-là. Du coup, on va mettre dans Inconnu. Je vais devoir commencer à dézoomer, là, parce que... Large, Manu, Kuro, des bisous. Alors, on va dézoomer une première fois. De toute façon, on va avoir beaucoup de dézoom, hein, je pense, sur celle-là. Clémentine, je connais pas. Clifford, je connais pas. Code Lyoko, c'est mauvais. Faut dire les mots, hein. Corneille et Bernie, ça c'est sympa par contre, Corneille et Bernie. Cosmo 4, ça me parle pas. Courage, je trouvais ça nul à chier.
Chapeau, non. Je sais même pas ce que c'est que ce truc. Denis la malice. Putain, ça c'est vieux aussi, ça, Denis la malice. Ah bah là, on va la voir, la différence de génération, effectivement. Denver, le dernier dinosaure. Alors, je me souviens surtout du générique, mais je me souviens plus trop du dessin animé. Je pense qu'on peut le mettre dans trop bien, quand même. Détective Conan, c'était super trop bien, hein, Détective Conan. Ah, je kiffais regarder ça. En fait, on va dire que ceux-là, c'est ceux où je surkiffais, quoi. Ça, c'est ceux que j'aimais bien. Ça, c'est ceux qui étaient plutôt bien. Moyen et nul, quoi. Didou. Dessine-moi, connais pas. Digimon, c'était trop bien. Dora l'exploratrice, c'est sympa. Ah, oh putain, on va y avoir tous les Dragon Ball. Alors, le problème avec moi, c'est que je les ai pas trop regardés, les Dragon Ball, en fait. Hein. C'est vrai que ça se finissait un jour, Détective Conan. Ah ouais, c'est pas encore fini. Ah, cette musique-là aussi. Cette musique-là, je l'avais appris au piano. J'avais la faire en entier un moment, mais... Là, j'ai un peu oublié, quoi. Manga papier, toujours encore. C'est vrai, putain. Je sais pas s'ils font encore les dessins animés, mais... Dragon Ball GT... J'ai pas vu. Dragon Ball Z, je pense qu'on peut mettre ça dans sympa. En fait, moi, j'ai connu l'histoire de Dragon Ball Z avec les jeux vidéo, en fait. Donc, un peu avec les mangas. Enfin, Dragon Ball, les mangas, plutôt. C'est un pote qui me les avait prêtés, mais... je sais pas ce que c'est que cette merde. Ça non plus. Emily, je sais pas ce que c'est. Esprit fantôme. Esprit fantôme ? Parle pas. 100 volumes en cours. Ah oui, quand même. Esprit fantôme ? Regardez ce que c'est, ça me parle pas. Dessin animé, esprit fantôme. Ah, mais oui, c'est lui. Ouais, je peux dire que c'est passable. La famille pirate, c'était sympa. J'arrive pas à voir ce que c'est, cette merde. On est dans quoi? On est dans les... Donc là, c'est F... Fantomètre. Fantomètre, c'est non. Putain, on va devoir se dézoomer encore. Fantôme, c'est pas un plagiat de Casper, je sais plus trop. C'est possible, ouais. Flipper, pas vu. Foot de route, c'était sympa. Franklin, c'était sympa. Ça, je connais pas. Oula. Karazu, je sais pas ce que c'est. Funky Cops. Ça, c'était trop bien, les Funky Cops. Ça, c'était excellent, quoi. Rien que pour la musique du générique. Je vous l'ai déjà fait écouter, en plus, une fois, le générique de... Funky Cops. Salut Matt Freeman, comment vas-tu? Ah, le générique de Funky Cops, c'est top tier, ça. C'est... En fait, moi, je me souviens, je regardais juste pour le moment où ils étaient dans la discothèque, en fait. Je regardais juste pour ça. Après, on a quoi? J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est ça, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Bon, si ça m'a pas marqué, c'est que c'est un truc que je connais pas. Garfield, c'est sympa. Gargoyles. Oh, putain, c'est vrai qu'il y avait un dessin animé comme ça. Fais voir un peu dessin animé Gargoyles. Ah non, je pensais que je connaissais, mais non, ça me parle pas. Non, faut que je regarde, parce que... Je sais plus si j'ai déjà vu ou pas, je m'en souviens pas. En fait, je me souviens d'un dessin animé avec des gargouilles, mais ça me parle pas du tout. Du coup, je vais le mettre en inconnu. Putain, il va y en avoir plein en inconnu. Sur Disney+, ouais, je l'ai pas. Bon. Goldorak. Bah, pareil, pas vu. Rangalo, pareil. Gravity. Pulse. Je ne sais pas. Amtaro, c'est mauvais. Et Arnold, c'est trop bien. Ça faisait un peu... Par contre, il y avait des personnages qui faisaient un peu peur, quand même. Et Arnold, ouais, non, si, c'est valide. Hein.
La voix de Hamtaro, ouais, non, mais Hamtaro, c'est poubelle, ça. Heidi, je connais pas. J'arrive pas à voir ce que c'est. De toute façon, à la fin, on refera un zoom, hein, parce que... Dépendant de son clivant, il a peur que ça t'attire des ennuis. Ah! T'inquiète, T'inquiète, général, il n'y a pas grand monde qui va voir la vidéo, donc... Ça va bien se passer. Ça, pareil, je sais pas ce que c'est. On va devoir redézoomer. Faudrait que je vous la fasse un jour au piano, celle-là. Faudrait que j'apprenne à la refaire et... je pense que je dois encore avoir les partitions, mais... Il était une fois la vie, c'est trop bien. Le problème, c'est que plus je recule, plus j'ai du mal à voir ce que c'est, en fait. Attendez, on va faire un coup de zoom sur... Il était une fois les découvreurs. Quoi? Ah, c'est peut-être les trucs historiques, ça, peut-être. En fait, je vais le faire comme ça, maintenant. Bon, je pense que c'était sympa, du coup. Comme ça, on sera moins perdu. Inspecteur Gadget, c'est trop bien. Trop bien ou bien? Oh, sympa. Pas déconner, quand même. Iron Man, je connais pas. Enfin, le dessin animé, ça me parle pas du tout. Jackie Chan, sympa. Quoi? Aucune idée de ce que c'est. Jeanne et Serge, je connais pas, c'est un truc de... Club Dorothée, ça. Jimmy Neutron, passable. Johnny Bravo, il me semble que c'était sympa. Ça, c'était sur les chaînes, c'était sur Nickelodeon, ça, sur le satellite, ça. La légende... Quoi, de Serge Roy. Juliette, je t'aime. Jumanji. Jumanji, c'était sympa. Pas mal en sympa, hein. Quand même, j'ai pas que des goûts. Allez, Kangoo. Kangoo, c'était bien, ça. Oh, c'était sympa. En fait, bizarrement, je me souviens plus des Kangoo Junior que des Kangoo. Non, je pense qu'on peut le mettre là. Puis on va mettre Kangoo Junior en sympa. Je pense. La case risque que les autres, lol. Ah, bah là, ouais, le problème, c'est que c'est, ça va être question... Génération, quoi, Ken, bof. Kid Paddle, j'ai plein de BD Kid Paddle. Par contre, le dessin animé, j'ai moyen. Enfin, c'était sympa, mais sans plus. Kim Possible. Ça m'a pas fait rêver. Je pense que c'est passable. La bande à Picsou. Ah. Oula. Recess. D'ailleurs, ça me dit quelque chose, les personnages. Mettant sympa. Ça me dit quelque chose, les personnages. Lily Oscar. Lily Oscar. Lady Oscar. Je sais pas. La famille de la jungle, c'était sympa. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement une grande différence entre ces deux-là, j'aurais peut-être plus limite mettre une catégorie entre les deux. Après, ceux-là, c'est ceux que je regarde sans problème. Hein. Ou que je regardais sans problème. Croc Blanc. Je ne sais pas. Ça, j'ai pas trop vu ceux-là. Enfin, c'est les. Ouais, les super. Ouais, super-héros, je sais pas quoi. Ah, bah, ça, la ligne, là, ça, c'est trop bien. Hein. C'est vieux, mais c'est trop bien. Hein. Et 10% à vue d'œil. Ah. Ça, je connais pas. La Panthère Rose, c'était trop bien aussi. Le bus magique, c'est pareil, c'était trop bien. Voilà, on commence à le charger, il est trop bien. Champions Gold, ça me parle pas. Le collège foufoufou, pareil. Laboratoire, pareil. Tex Avery, ça c'est pareil, Tex Avery, c'était trop bien. Le monde fou de Tex Avery. En fait, c'était plein de... T'avais plusieurs dessins animés différents, et... des fois, c'était les personnages que t'aimais bien, des fois, c'était les personnages que t'aimais pas trop. Gumball, j'ai jamais trop regardé. Le Nidouille, pareil. Ouais, le Petit Lorne. Le Roi Léo. On va dire. Tintin. Ah, Tintin, c'est parfait. Hein. Tintin, c'est excellent.
Ah, l'histoire de la mouche. C'est pas ça, oui. Ouais, c'était pas fou. C'est rigolo, mais c'était pas fou. Qu'est-ce que c'est? Trop bien, Gumball. Ah ouais, je sais pas. Les bisounours. Ah, bisounours, je pense que c'est sympa, quand même. Je me souviens que d'un épisode, en fait, donc... Ouais, le bon conseil de Célestin. Ah, ça, c'était les trucs le matin, ça, Célestin. Ouais, c'était pas ça, il était un peu relou, quand même, Célestin. Ah bah, les là, les castors... C'est quoi, déjà? Les castors juniors? C'était pas ça? Ça, c'est trop bien, les castors juniors. Saint Seiya, j'ai jamais trop regardé. Oula. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça fait peur. Les entrechats. Les fous du volant. Alors ça, les fous du volant, c'est archi validé. Hein. Par contre, ils ont sorti une version 3D qui est archi dégueulasse. Hein. Je sais, ça va être traumatisé, pourtant je l'ai vu adulte. Ah ouais, de toute façon, je l'ai mis tout en bas, je crois. Ouais, il est là. Oui. Du volant, trop bien, mais pas la version 3D, hein, qu'on soit d'accord. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pierre Castor. Pierre Castor, c'était pas mal, hein, mes souvenirs. Trop bien. Les malheurs de Sophie. Alors ça, par contre, c'était mauvais. Hein. C'est limite un peu traumatisant comme dessin animé. Les mini-pousses. Passable, j'en garde pas spécialement un souvenir extraordinaire. Les mystérieuses cités d'or. Pareil, je regarde pas non plus un souvenir extraordinaire. Chez Frolich Famille. Ah, mais ça, c'est les races moquettes. Bon, les races moquettes, c'est trop bien. Trop bien, les races moquettes. Ça, c'est... Putain, ça, c'est... Voilà la nostalgie que ça sort, ce... Cette tier liste-là. Les Schtroumpfs en dessin animé, ouais, si, c'est bien. C'est sympa. Les Shadok pas vu. Bon, alors là, par contre, les Super Nanas, ça, c'était trop bien. Les Zinzins de l'espace. Les Zinzins de l'espace, c'était spécial, quand même. Mais j'aimais plutôt bien. L'Histoire sans fin. Ouais, passable, Histoire sans fin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est drôle, les Shadok, ouais, mais j'ai jamais trop regardé. J'arrive pas à voir ce que c'est, ce truc-là. Quelqu'un sait c'est quoi, ce dessin animé, là? On dirait un pseudo Hercule ou une connerie comme ça, mais... Bon, Lucky Luke, c'était trop bien, ça, y a pas de doute. Ça, je ne connais pas. Manny et Outil, je connais pas. Marcelino. Marcelino, je sais pas pourquoi, j'ai bien regardé, mais c'était un peu triste quand même comme histoire. Quand même. Martin Matin, c'est pareil, c'est sympa, Martin Matin. Rien d'extraordinaire, mais... Martin Mystère. Ah, ça, par contre, Martin Mystère, ça... Ça, c'était trop bien, Martin Mystère. Ah ouais, putain... Les bons souvenirs, quoi. Maya l'abeille, jamais trop regardé. Men in Black, c'est sympa. Le dessin animé, on est d'accord. Cat and Dog, il me semble que c'est plutôt passable. Minus et Cortex. C'est trop bien, ça, Minus et Cortex. Minus et Cortex. Mona la vampire. Il me semble que c'était mauvais. Marsupilami, c'était sympa. Oh, je tergiverse pas trop, parce que bon, elle est quand même assez longue, hein, cette tier list. Après, on peut en discuter, hein, dans les commentaires, ou sur le Discord, ou même là dans le chat. Hein, mais... Mon petit bonnet. Alors, mon petit poney, c'est passable. Hein, rien de fifou. Nicky Larson, j'aime regarder. Oogie et les cafards, c'est rigolo. Je pense que je peux le mettre dans trop bien, Oogie et les cafards. Olive et Tom, c'est sympa. Pareil, j'ai jamais trop regardé, mais bon, c'est assez fou quand même, la taille des terrains. Une soirée complète, voire deux sur cette tier list. Bah ouais, carrément. Oui, oui. Oui, oui, c'est bien. C'est sympa. Regardez, quand j'étais petit, oui, oui. Papyrus, il me semble que c'est passable. Pépin. Petit ours brun.
Petit Potame. Ça, c'est... Ah, la tronche du personnage était assez spéciale, hein. Petit Potame. Pingu. Ah, Pingu, c'est... Je sais même pas le classer, Pingu, parce que... Il y avait quand même des trucs qui faisaient archi... Enfin, quand j'étais petit, il y a des trucs qui me faisaient trop peur, en fait. Genre, il y a un moment, t'as une grosse tête de morse qui sort de l'eau. J'en faisais des cauchemars, quoi. Attends, est-ce que je peux le retrouver? Dessin animé Pingu... Morse. Ah ouais, non mais regardez ça. Moi, franchement, l'épisode où il y a eu ce truc-là, mais j'en ai fait des cauchemars, quoi. Non mais t'es sérieux, t'es petit, tu vois ça, mais non en fait. Mais non en fait. Allez, vite, retourne en arrière, voilà. On appelle le monsieur avec son impair. Pokémon, bon bah Pokémon. Voilà, wow. Je suis en train de tout casser là. Du coup, il s'est mis pas du tout au bon endroit. Genre, je ne connais pas Pokémon, quoi. Et putain! Parce qu'en fait, je clique sur ma molette, donc du coup, c'est un peu embêtant. Popeye, c'était sympa. Power Rangers, je pense qu'on peut dire que c'était mauvais. Je sais pas ce que c'est. Sherazade, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Allez, Race Moquette Adolescent. Jamais vu. Rémi Sans Famille, je pense qu'on peut mettre ça dans... Passable, ouais, passable, limite mauvais, mais... Robinson Sucroé. Oh, c'était quoi ça déjà? Ça, il me semble que c'était pas mal, hein. Ça va être sympa. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Go Time, mais je pense que c'était pas comme ça. Rock Roquette, peut-être, un truc comme ça, français. Ah, mais des trucs avec les zouzous, là. C'était trop bien, ça, les zouzous. Alors ça, c'est un peu le truc qui sort du lot, qui sort de nulle part, le classement qui sort de nulle part pour ça. Le tour du monde en 80 jours. Sailor Moon. Sakura. Désolé, Sakura, c'est parfait. Ça, c'est le genre de truc inratable, hein. Sakura, chasseuse de cartes. Il y a des dessins animés qui passaient genre le samedi matin très tôt, je me réveillais juste pour ça, quoi, en fait. Sam, je ne connais pas. Sankukai non plus. Scooby-Doo, c'est sympa. Transcendant non plus. Cat's Eye. Alors, des très beaux personnages, hein, mais pas vu. Ça, je sais pas ce que c'est. Sonic X. Le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs Sonic. Alors, on va dire qui et quoi, comment. Je sais plus. Je viens pas trop avoir vu de... Du Sonic. Ghostbusters, c'est sympa. Ça, c'est quoi? Sourire d'enfer. Il me semble que c'était sympa, ouais. Spider-Man. Le dessin animé Spider-Man. J'ai déjà vu ça, moi. Je parle pas du tout. Quoique. Les souvenirs de Bouffon Vert. Bon, je suppose que c'était sympa. Hiroué Fotasio, je suppose que c'était sympa. Superman, par contre, je m'en souviens pas. Dessin animé Superman. Tasmania, oui, Tasmania, c'était trop bien. Oh, on avance, regardez, on arrive à la fin. Chéou et Grodo. Et Tubbies, bon, la merde. Le masque, ça devait être sympa, je pense, oui. Titeuf. C'était trop bien. Hein. S'animer Titeuf, c'était trop bien. Hein. Les Looney Tunes. Oh, ça, je pense qu'on peut le mettre tout en haut. Hein. Parfait, Looney Tunes. Archive validée. Kitty et Grominé. Mène l'enquête. Ça, je sais pas ce que c'est. Tom et Jerry, parfait. Ça, c'est pareil. Ça, c'est vraiment le classement de la nostalgie aussi. Hein. Je crois que je vais encore avoir des cassettes de ça. Tom Sawyer, sympa, sans plus. Faut accrocher au dessin aussi. Hein. Tom et Nana, c'est sympa. Et Tortue Ninja, c'est trop bien. Tortue Ninja.
Total Spy, c'est trop bien. Ça, c'était passable, hein, il me semble. C'était la nana, je sais pas, un peu sauvage, je sais plus comment ça s'appelle. Ulysse 31, pas vu. Ça, j'ai pas le nom, donc du coup, je retrouverai pas. Wakfu, pas trop vu. Wings, pas trop vu. Woody Woodpecker, trop bien. Quoi ça? X-Men. X-Men, c'était... Oh, ouais. Transcendant. Yekari, connaît pas. Yu-Gi-Oh, évidemment. Parfait. Et le dernier. Salut. Et ben voilà, le classement, hein. Bon, alors, je passe ce qu'on a oublié, hein. Alors, en mauvais, nous avons Angela Anaconda, Arthur, Code Lyoko, Courage Amtaro, Les Malheurs de Sophie, Mona, le Vampire, Power Ranger et Teletubbies. Je pense qu'il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Impassable. Alors, Adventure Time, parce que je n'ai pas trop vu et que ça ne m'a pas marqué plus que ça. Astro Boy, pareil. Nick Betty, pareil. Bi, pareil. Enfin, c'est ça pour tout le monde, en fait. Unitron, c'était spécial, hein, quand même. Les graphismes et tout... La pseudo 3D là, bizarre, ouais, la mouche, bon bah voilà, transcendant, sympa, il y en a plein. À noter, bien sûr, Bob l'éponge, évidemment, Cédric, Dragon Ball Z quand même, Dora l'exploratrice, hein, c'est sympa Dora l'exploratrice. Des fois, avant d'aller au collège, je tombais sur Dora l'exploratrice, c'était plutôt pas mal. Hein. On a quoi d'autre, Marcelino, ouais, un peu triste, mais bon. Et puis voilà, ouais, c'est sympa, c'est regardable, mais c'est pas non plus transcendant. Bon, trop bien, là, on arrive vraiment sur du solide. Pour le coup, Tex Avery, putain, ouais, ça, c'est vieux, 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 mais je kiffais un Tex Avery. Et bon, voilà, le top du top. Ceux qu'on pourrait regarder sans problème aujourd'hui, Bibi Pécoyote, Détective Conan, Tintin, Les Fous du Volant, Pokémon, Indémodable Pokémon, Sakura, Chasseuse de Cartes, et Looney Tunes, Tom et Jerry, Yu-Gi-Oh, enfin, que des trucs solides que tout le monde valide déjà de base, hein. Sans problème, quoi. Et bah, voilà, pour cette énorme tier list des dessins animés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre, bien sûr, des commentaires sur YouTube, hein, j'y répondrai sans souci. Et du coup, bah, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle tier list. Des bisous à vous, et à demain. Ciao, ciao, bisous!